Debout, Monsieur Wayne. Nous avons beaucoup à nous dire. Strange. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Mais j'ai déjà réussi. Ici Vicky Vale, pour un reportage en direct d'Arkham City, la super prison controversée se trouvant au cœur de la ville de Gotham. Dans quelques instants, Bruce Wayne sera avec nous en direct pour s'expliquer sur son intérêt soudain pour la politique de Gotham. Le célèbre playboy millionnaire n'a jamais été du genre... C'est milliardaire, Vicky. Les millionnaires sont complètement dépassés. Je suppose que vous pensiez que vous étiez intouchable. Eh bien, comme vous pouvez le voir, personne n'est vraiment intouchable. Merci. Merci, Gotham. Mesdames et messieurs, emprisonnés derrière ces murs, des chefs de gang s'affrontent sans merci au milieu de notre ville, qui a perdu de sa superbe. Tous les détenus de l'asile d'Arkham et de la prison de Blackgate ont été transférés dans ce complexe pénitentiaire. Comment garantir la sécurité des habitants de Gotham ? Fermez Arkham City maintenant ! C'est le chaos total. Mais pourquoi donc ? D'ici la fin de la soirée, je serai un héros. Tout comme vous, Batman. Aujourd'hui, je lance une campagne pour la fermeture d'Arkham City et pour rétablir la sécurité à Gotham. Enchaînez ! Mais en l'air, Wayne ! On tient, Wayne. Cible sécurisée. Je dois vous remercier. Il est plus facile de capturer Wayne que Batman. Maintenant que nous vous tenons, le protocole 10 est prêt à commencer. Ce sera mon héritage. Un monument à la gloire de votre échec. Et si vous essayez de m'arrêter, je vous garantis que tout le monde apprendra votre secret. Eh ben salut tout le monde, c'est TigerClaw, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Let's Play qui s'intitule Batman Arkham City sur PS3. Et donc là évidemment nous sommes attachés. Qu'est-ce que vous fabriquez? Vous pensiez qu'on vous entendrait pas? Bienvenue à Arkham City. Wayne, qu'est-ce que tu fabriques ici, Wayne? On a tué son majordome? Tu vas crever ici. Je vais faire de toi mon toutou, Wayne. Bon, eh ben, j'ai dit à terre. Allez! Qu'est-ce qu'on attend, Wayne? File A. Allez! Ah, file A. D'accord, bah, on file A, alors. Wayne! C'est dans la file A. Eh, Wayne, je la reste trop. Il paraît que le pingouin a mis un prix sur ta tête. Vous deux, moi, je viens ramasser le blé. Wayne! Venez donc par ici! Et maintenant, me dérange. Je déteste le Bruce Wayne! T'es sur ma liste. Écrase-lui la tronche! Allez, bah laisse-moi passer. On se bouge, prisonnier! Je vous ai dit d'arrêter! Maintenant! Baissez vos armes. Monsieur Wayne ne posera pas de problème. N'est-ce pas, Monsieur Wayne? Laissez-lui les menottes. On ne voudrait quand même pas faciliter trop les choses, n'est-ce pas? Ferme les portes. Préparez-vous pour l'insertion. Je peux pas croire que je m'en vais ici. Bruce Wayne? Super. J'étais en reportage à votre conférence de presse, et maintenant on est là tous les deux. C'est ce qui arrive quand on s'intéresse à la politique, n'est-ce pas? Écoutez-moi attentivement. Quand la porte s'ouvrira, ne paniquez pas. Restez près de moi. Vous croyez que je vais suivre les conseils d'un type qui ne s'est jamais battu de sa vie? Restez calme. Ils essaient de nous faire peur. Désolé, vieux. Chacun pour soi. J'ai jamais aimé ton émission. Ah, prends ça. Tu vas crever ici. De
J'ai dit debout. Eh ben, regardez un peu qui est là. Bienvenue en enfer, mon Dieu. Aïe. Bonne nuit. Ouais bah ça commence fort ce let's play les enfants. On se fait prendre par Hugo Strange, on se fait taper par les sbires du pingouin. Oh, on a un petit coup de mou. Tu veux que j'appelle ton majordome? Cobblepot. Oh, tu te souviens de moi? Oh, c'est touchant. Ta famille a détruit la mienne, Wayne. C'est... Eh bien, on n'a qu'à appeler ça une bonne vieille vengeance. Aïe. T'as un prends-toi. Échappez-le. Frappez-le. Je crois qu'il m'a cassé la main. Vous savez pas qui je suis. Ouvrez cette porte immédiatement. Prends ça. Vous allez te laisser échapper? Comment c'est possible? Allez, on fait la fête. Je ne peux pas contacter un officier. Je dois d'abord grimper. Voilà. Alors, on va grimper. Ah bah c'est Doc qu'il faut que je grimpe, pardon. Ok, ensuite... Alfred, vous avez les coordonnées? Presque, monsieur. Il y a plus d'interférences que d'habitude. Il me faut un largage immédiat sur le toit de l'immeuble d'Ace Chemical. Je suis déjà en chemin. Bien sûr. J'ai regardé votre incarcération au journal télévisé du soir. Vous aviez prévu de vous faire arrêter depuis le début, si je me trompe? Pas vraiment. Mais ça m'a permis de passer du temps tête à tête avec Hugo Strange. Et comment était-ce? Pas terrible. Il sait que Bruce Wayne est Batman. Il m'a aussi dit qu'un certain protocole 10 allait le rendre célèbre. Je ne peux pas quitter Arkham City sans savoir ce que c'est. Bah ouais, faut enquêter, hein. Est-il arrivé, monsieur? Ah oui, Alfred il sait faire son travail, moi. Parce qu'il y a un majordome qui sait faire que ça. Hein. De cryptage à un garde Tiger. Je vais pirater leur communication. Ok, alors c'est parti. À toutes les unités, ici Air Tiger 4. On a confirmation que la détenue 4011 est au tribunal. Je répète, Catwoman est au tribunal. Est-ce qu'elle est en danger? Affirmatif. La cible est retenue par Dent. On pense qu'il a l'intention de la tuer. Comment doit-on procéder? Arrêtez. Que Double Face puisse s'amuser. C'est compris. Ça ne me dit rien qui vaille. Vous n'avez pas tort.
La prédilection de Monsieur Dent pour tout ce qui est binaire n'est pas de bon augure pour Miss Kyle. S'il y a quelqu'un à Arkham City qui sait ce qui se passe vraiment, c'est bien elle. Il faut que je retrouve Catwoman. Bah, c'est parti, on y va. Alors moi j'adore ce nouveauté, la nouveauté là. Qu'est-ce que Batman fout ici ? Bah c'est ça, je viens vous rendre visite. Olé, olé, toi. On va s'arranger pour tout. Je vais faire votre fête, vous allez voir. C'est la ville, on peut circuler dehors, c'est super pratique par rapport au premier Arkham City Asylum qui était pas du tout pareil. Alors ils sont tous devant là, ok. On les entend, putain, il y a du monde là. Le seul moyen de s'en sortir ici, c'est de réussir à se faire respecter. La peur, c'est ce qui suscite le respect. Montre-leur comment ça marche chez nous. Mais il faut qu'on soit juste. C'est une cour de justice, ne l'oublions pas. Justice pour l'œil. Tu l'as et ils nous craindront tous. Faites donc entrer l'accusé. On peut dire que tu sais t'y prendre avec les femmes, Harvey. T'aurais pas fait un peu de chirurgie? Ça, c'est pour nous avoir volé. Personne. Oh, je suis désolée. J'ai été un vilain chaton. Libère-moi et je te revaudrai ça. Voyons voir si cette pièce pense ce que tu dis vrai. Procès commence. Silence dans la salle. Le procès commence. Silence. Silence. Il suffit d'éliminer le type qui alarme. Sans lui, le reste de la pièce ne sera plus un problème. Bienvenue à vous, habitants d'Arkham City. C'est un plaisir de voir de nouvelles têtes parmi vous. De nouvelles têtes. Aujourd'hui, nous allons proposer à chacun d'entre vous une toute nouvelle opportunité. Deux opportunités. Ah ouais, laquelle? Salut. Notre ami Batman est arrivé. Bah oui, c'est bien. Chopez-le et coupez-le en deux. À 100 ans, il a condamnation à mort, Batman. Bon sang. Voilà. Objection. Ok. Rejeté. Pile ou face, joli minou. Quelle face je dois choisir pour rester en vie? Celle-là. Tu vas crever. Moi, je demande un sursis à l'exécution. Pas de flingue, Harvey? Dommage. Ça va te faire très mal. Deux flingues, quatre!
Moi qui croyais que les chats étaient les seuls à avoir 9 vies. Ça balance, Harvey ? Viens voir maman. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que tu étais plein de surprises ? Je me suis dit que tu aurais besoin de mon aide, Selina. Tu as raison. Je crois bien que je me suis cassé une griffe là-bas. Très drôle. Que veux-tu savoir, monsieur le détective ? Le protocole 10. Qu'en sais-tu, Selina ? Absolument rien. C'est pas ce que je voulais entendre. Et pour Hugo Strange ? Je ne lui fais pas confiance. Il disparaît des années et d'un seul coup, il réapparaît à la tête d'Arkham City. On raconte qu'il bosse avec le Joker et qu'il prépare un petit cadeau très spécial, rien que pour toi. C'est peut-être ça, le protocole 10. Ah, de dire cher Batou, qui veut tuer ton gentil Batou. Cet ex-procureur ici présent a dit quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ? À très bientôt, Batman. Cet endroit est très dangereux. J'adore ça. Tu attendais un baiser ? C'était le Joker. Tu es en danger ici. Comme tout le monde. J'ai 9 vies, tu sais bien. Je dois localiser l'endroit par où la balle est entrée dans le tribunal, ainsi que son impact. Ouais, alors on va enquêter maintenant. Si on te coince pas, le Joker le fera. La balle a touché le sol ici. Ouais. Bon, par où est-elle entrée ? Là, c'est pas par là. Là. La trajectoire empruntée par la balle me mènera au tireur. Les gens, vous allez sûrement vous dire, mais qu'est-ce que c'est ce protocole 10 ? Il est toujours là-dedans ? Ouais, je crois. J'entends quelqu'un là-dedans. Garde cette porte fermée, mec. Je veux pas me retrouver face à Batman. T'avais pas dit que c'était Batman ? Pourquoi on est encore là ? On devrait plutôt se tirer, non ? Tu crois ? Sois pas débile. Tant que tu gardes cette porte fermée, il peut pas sortir et on est à l'abri. Vraiment ? Et qu'est-ce qui l'empêche de faire le tour ? C'est pas grave. Y a une autre sortie ? Ouais. Double Face me l'a montré. Y a un sous-sol, y a plein de cellules, y a même un mec dedans. T'avais pas songé à en parler plus tôt ? Alors, où est-ce qu'il s'est aidé la tour ? Ici. Où est-ce qu'il s'est aidé ? On va bien parler. Le seul moyen, c'est de... me mettre une position. C'est là. C'est quoi ça? Ah, c'était là hein. Non. Où est-ce qu'elle est la position de... Elle est où la tour? Là, je suis là, d'accord. Interroger le Joker pour en savoir plus sur le protocole 10, localiser la source du tir de sniper. Ouais. Continue nulle part. Il a descendu tout le monde au tribunal. Au moins Catwoman a été tué. Il l'a sauvé aussi. Et il a maté le patron. On fait quoi? Batman et Catwoman sont libres. Double Face et HS et nous, on est coincés dans le froid. Ouais. Tu te demandes jamais si tu t'es pas planté de camp? Tout ce que voulait Batman, c'était sauver Catwoman. Il a laissé le patron au tribunal. Dent prépare sa vengeance. Ah là là, pourquoi ils sont vrais, Catwoman ? C'est une voleuse comme nous, non ?
rentrer après le marquage. Et qui te dit qu'elle est avec nous? Il paraît qu'elle joue dans les deux cons. Ça me plairait bien, ça. Regardez, c'est Batman. Non, c'était pas Batman, vous êtes trompé. Tout ça parce que cette carte Starley nous a laissé dehors. Cinglé. Coucou. Qu'est-ce que Batman fout ici? Je viens de rendre visite, arrêtez de vous poser les mêmes questions. La cible est déchaînée. Voilà. Batman a gagné. Fais dodo. Je suis à l'église. On dirait bien qu'Harley Quinn est à l'intérieur. Cette horrible femme est sans aucun doute en train de vous tendre un piège. Ne vous inquiétez pas, Alfred. Quinn n'a jamais été une lumière. Tout ira bien. Ouais, tout ira bien. Ah, il y a du monde par là-bas, d'accord. Voilà, Batman. Voilà, prends ça dans les dents. Laisse partir la demoiselle, Batman. Ou on leur colle tous une balle dans la tête. Je crois que t'as intérêt à faire ce qu'il te dit. Ce serait du gâchis si ma superbe nouvelle tenue était couverte de sang. Qu'est-ce que t'en penses, Batman? Elle te plaît? Qu'est-ce que je raconte, voyons, évidemment. À qui elle ne plairait pas? Ouais, c'est ça, ouais. Bon, enfin bref, je t'explique. Monsieur J ne peut pas recevoir de visite pour l'instant. Il ne se sent pas vraiment lui-même. Enfin, bon, c'était déjà le cas, mais... c'est pas ce que je voulais dire. Il a une petite baisse de forme et l'imbécile de médecin que j'ai envoyé n'a pas pu l'aider. Je crois que même ces crétins en ont plus dans la cervelle. Je dois y aller, les mecs. S'il tente quoi que ce soit, tuez-le. Salut Jean-Pierre, Jean-Pierre Harley. C'est du suicide d'attaquer des voyous armés. Ouais. Je dois disparaître et les éliminer silencieusement, un par okay. un. Ok, ne d'accord. Ne bouge surtout pas, Batman. Il est parti. Ils ne savent pas où je suis. Bien, tâchons que ça reste il comme ça. Il est temps d'inspecter la salle et de planifier ma stratégie. Quatre voyous, tous armés et deux otages. Ça devrait être facile. Il faut qu'on sorte de là. Il va nous buter. Batman, tu m'entends? Si tu tentes quoi que ce soit, ces gens mourront tous. Il me lâchera pas. Il a un otage. Je peux planer jusqu'à l'échafaudage au-dessus de lui sans être vu et l'éliminer depuis ce poste. Ouais. Ce crétin se croit en sécurité dans le confessionnal. C'est encore plus facile pour moi de l'avoir par derrière. Si j'arrive à passer derrière ces deux-là sans être repéré, je pourrais les éliminer en un coup. Ils peuvent venir de partout. Reste calme. Batman, tu m'entends? Fous le camp d'ici. Tire-toi si tu veux pas que cette sale garde se retrouve avec un trou à la place de la tête. Ouais, lâche-moi un peu. Bah alors... Je vous ferai regretter ce que vous avez fait. La ferme, la ferme. D'accord. Alors, je comprends pas. Je comprends pas le truc. Adieu, stupide chauve pourri. Personne ne va te sauver maintenant. Ce que je comprends pas, les enfants, c'est que... j'étais en train d'appuyer sans arrêt sur le triangle pour faire l'élimination silencieuse, il a jamais voulu fonctionner. Je dois y aller, les mecs. S'il tente quoi que ce soit, tuez-le. Ah, t'es déjà c'est le parti. Suicide d'attaquer des voyous armés. Je dois disparaître et les éliminer silencieusement, un par un. Ne bouge surtout. Il est parti. Il a disparu. Ils ne savent pas où je suis. Bien. Tâchons que ça reste comme ça. Il va nous buter. Il est temps d'inspecter la salle et de planifier ma stratégie. Quatre voyous, tous armés et deux otages. Ça devrait être facile. Il faut qu'on sorte de là. Il va nous buter. Batman,
Tu m'entends? Si non, tu tentes quoi il y a un otage. Je peux planer jusqu'à l'échafaudage au-dessus de lui sans être vu et l'éliminer depuis ce poste. Ouais. Ce crétin se croit en sécurité dans le confessionnal. C'est encore plus facile pour moi de l'avoir par derrière. Si j'arrive à passer derrière ces deux-là sans être repéré, je pourrais les éliminer en un coup. Alors, on va faire un truc, alors. Tu le vois? Où est-ce qu'il est? Je sais pas où il est. Je le vois pas. Il peut venir de partout. Reste calme. Batman! Tu m'entends? Où tu rentres ici? Et de... Ça va aller. Attendez ici et ne faites pas de bruit. T'es toujours là? Réponds-moi! Bon, d'accord, là je me suis vraiment planté de chez planté. J'en étais sûr! T'es rien d'autre que le champion poids plume des losers! Je me suis trompé, je sais pas pourquoi il a été foncé directement, j'ai mal visé le truc en fait. Bon, c'est pas grave. On va y arriver, on va le passer ce niveau quand je même. Je dois y aller les mecs, s'il tente quoi que ce soit, tuez-le. C'est du suicide d'attaquer des voyous armés. Je dois disparaître et les éliminer silencieusement, un par un. Ne bouge surtout. Où il est parti? Il est parti. Ils ne savent pas où je suis. Bien, tâchons que ça reste comme ça. Il est temps d'inspecter la salle et de planifier ma stratégie. Quatre voyous tous armés et deux otages. Ça devrait être facile. Il faut qu'on sorte de là. Il va nous buter. Il a un otage. Batman, je peux planer jusqu'à l'échafaudage au-dessus de lui sans être vu et l'éliminer depuis ce poste. Ces gens mourront tous. Il me lâchera pas. Ce crétin se croit en sécurité dans le confessionnal. C'est encore plus facile pour moi de l'avoir par derrière. Si j'arrive à passer derrière ces deux-là sans être repéré, je pourrais les éliminer en un coup. Alors, on fait quoi? Tu le vois? Où est-ce qu'il est? Je sais pas où il est, je le vois pas. Il peut venir de me m'approche pas. Reste calme. Je vais essayer Batman, de faire ça. Tu m'entends? Fous le camp d'ici. Tire-toi si tu veux pas que cette sale garce se retrouve avec un trou à la place de la tête. Voilà, ça s'est réglé. Ça va aller. Attendez ici et ne faites pas de bruit. Réponds. Merde, cet enfoiré t'a eu. Approche pas, Batman. Dégage. Et de deux. Ça va, ne dites rien. Alors comment essayer de l'avoir lui? Juste l'avoir comme ça en fait. La pièce est sécurisée, tout va bien se passer. Heureusement, c'est sécurisé. Hey Batman! Merci du coup de main! Vous en prie. Vous voulez peut-être que je vous donne un coup de main ou ça va aller? Non? C'est bon? Bon bah alors, salut! Alors, il faut que je monte maintenant au clocher. Bon, ici. Très bien, maintenant écoutez-moi. C'est nous qui commandons ici, pas ces animaux. Ok, d'accord. Que cet endroit. Ouais. Vérifiez les sols. Voyez s'il manque quelque chose. Si alors, quelqu'un va la chercher. Je sais pas trop si vous avez remarqué, mais Batman a sauvé notre peau. Si quelqu'un peut la trouver, c'est bien lui. Très bien, tout le monde a compris. Chargez-vous des blessés. Empêchez les ordures d'entrer. On est une équipe, faut pas que ça change. Ok, l'ouverture elle est là-bas.
Et le truc, c'est qu'on peut pas ressortir. Voilà l'arme. J'ai l'impression qu'elle est contrôlée à distance par le Joker. Signal utilisé pour contrôler à distance le fusil de sniper. C'est un coup du Joker. Voilà. Avez-vous encore des doutes ? Le signal radio devrait me mener directement à lui. Bonne chance. Ils auraient dû rentrer il y a des heures. Bon, alors est-ce qu'on y va ? Oui, on va y aller. Et puis, on arrêtera peut-être ça pour cette première partie de vidéo de jeu. Bon sang, pourquoi ils ont rien écouté ? C'est le seul endroit qui soit sûr. On reste ici et ces monstres nous laissent tranquilles. C'est pas à moi qu'il faut le dire. Je sais, je sais. Pourquoi ils sont sortis ? Pour manger, je pense. Ils auraient dû attendre. Ils avaient faim. On est sûr de ça ? Non. Mais est-ce qu'on a le choix ? On doit pouvoir faire autre chose. Quoi ? T'as merdé avec les gars du pingouin. On est mort si on y retourne. Et t'as vu ce qui est arrivé quand Batman s'est pointé au tribunal ? Peut-être que Double Face va bien. Tu sais, après que Batman est entré, t'as vu Batman sortir ? Ouais. Bienvenue, prisonniers. Venez de faire vos premiers pas ici, vers un monde meilleur. Un monde de joie, de malice, surtout un monde où la seule personne qui vous devait rendre... Essayez de libérer la femme. C'est vous ! Je sais pas si je suis équipé pour On se gèle ici. On n'en parle pas. Tu te souviens d'avoir vu des hivers aussi froids? Tu sais, quand t'étais gamin? Non, ça empire d'année en année. Je pense que c'est à cause de Freeze. Il aime le froid, il paraît. C'est lui qui doit refroidir la planète. C'est pas bien, je suis pas équipé pour. Ouais, il a sûrement congelé sa femme aussi. Et dis-moi, tu trouves qu'elle a l'air bien? Dans cet endroit, elles ont toutes l'air bien. Et donc on ira voir au moment où on rencontrera Mr. Freeze. On a pour ordre de tirer sur tous les blaireaux qui viendront ici. Ok. Une minute. Le Joker a pas dit qu'il acceptait. Regardez, c'est Batman. Non, c'est vrai, c'est Batman. Bah oui, c'est moi. Ah, c'est Batman. Ouais, bon. Mais des fois, le Joker laisse n'importe qui le rejoindre. C'est toujours intéressant. Intéressant ? C'est dangereux, ouais. T'as ta chance de nous avoir rejoints au bon moment. Faut croire que oui. Ok, on continue. Vraiment trop froid. Allez, revenu. Ouais, il y a un petit moment. Elle était sur les nerfs parce qu'il fallait à tout prix amener une nana médecin au Joker. Écoutez-moi, inspecteur de sombre crétin, et ouvrez bien grand vos oreilles. Il est là-haut, l'entrée, faut aller là-haut, là, où il y a les têtes. Il est lui-même. Il a dernière chance dont il ait besoin. C'est un soin tout en super. Alfred, je dois parvenir à entrer dans la Sierra Sionis. Pourquoi pas la porte de devant, monsieur ? Pourquoi je n'y ai pas pensé ? Ça semblait trop facile. Voyons un peu. Si tous les autres passages sont bloqués, le seul moyen d'entrer est de... C'est du suicide. La cheminée principale. D'accord. Allez, c'est parti. Et ben voilà. On va en rester là pour cette vidéo. Je vais essayer de continuer tout de suite après, en espérant que je serai capable de faire après du Uncharted, parce que je suis en train de faire une petite session, donc entre Batman et Uncharted.
En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce bleu et puis de surtout de laisser un commentaire sur la vidéo. C'était TagorClaw. On se retrouve pour un prochain Let's Play sur Batman Arkham City. Salut tout le monde et tout de suite, c'est l'intro. Ciao, bye.